récupéré là par le Canadien, Lekkonen qui a remis vers Kulak. Il s'avance au moins en attaque. Darmia cherche à reprendre la rondelle. Voilà l'interception d'Armia. Et là, l'attaque s'installe. Et voilà ce tir qui dévie à quelques reprises. Puis il a ouvert et le but! Jake Evans, qui avait touché le poteau en infériorité un peu plus tôt, crée l'égalité 2 à 2. Circulation lourde, une bonne présence, profondément dans le territoire, un tir du point d'appui qui va être récupéré par Jake Evans lorsque Gibson est incapable de s'en emparer, mais les trois joueurs des Ducks non plus. Tente de récupérer la rondelle plutôt que de marquer les joueurs. Evans se libère et pousse derrière Gibson pour créer l'égalité à nouveau. Un retour inattendu pour Evans. Qui crée l'égalité. Oui, et il sera certainement très heureux. Benzil laisse tout simplement derrière à Kulak. Et ensuite, le long jeu vers Evans. Ça vient de Lekkonen. Belle fin. Deuxième. Jake Evans! Quelle feinte! Et c'est 2-2. Possible. Voilà tout d'abord la relance depuis la longue remise de Lekkonen en territoire central. Il se moque complètement de Bjorn Foot et de Calvin Peterson. Voici la fin pour se moquer du défenseur suédois. Tire dans la partie supérieure, côté rapproché aussi pour battre le gardien des Kings. Quel travail de la part de Jake Evans. Quel but important. Absolument. Colossal travail de la part de Romanov. Et là, on revient avec le duo principal. Et on revient avec Toffoli, et avec Gallagher, et avec Jake Evans. Evans qui remet devant. Et on est incapable de compléter chez le Canadien. Mais on va se reprendre. Et le tir est le but! Mais il le méritait, Jake Evans! Et c'est 4 à 2 depuis l'assurance. Sortie de territoire. Et Evans qui fait le reste du travail. Tente de rejoindre Gallagher une première fois, puis lorsqu'il gagne sa bataille face à Hannifin, la deuxième. Peut-être maintenant, avec Gallagher qui intercepte. Gallagher plaqué par Fehervari. Interception, Evans tire, et le but! Jake Evans! Et là, s'il y a une mince... On est capable de les coincer dans des revirements, c'est exactement ce qui se passe. John Carlson, pourtant d'ordinaire fiable, il va d'un revirement en plein dans l'enclave pour Jake Evans, qui ne rate pas pareille occasion avec un bon positionnement et une rondelle qui dévie. Il se retourne et décoche un tir qui surprend Samson. Anderson qui fait un long détour dans son territoire, ralenti par Jakob Silverberg. Voilà Evans qui remet à Petlick, à Evans, belle passe, le tir et le but! Superbe jeu, Jake Evans, et c'est 3-1. C'est la façon dont il va exploser dans l'espace libre. Regardez l'espace libre qui est là, et il se démarque de Drysdale quand même assez facilement en protection de rondelle, et même en chutant, plongeant tête première, il réussit à soulever cette rondelle. Belle passe de Petlick, beau jeu d'Evans à la ligne bleue pour utiliser l'espace libre, tout d'abord pour y placer la rondelle, et par la suite... Cette occasion, c'est refermé. Voilà Sherratt avec le dégagement derrière le filet. C'est récupéré par Drysdale. Petlick lui enlève le 10. Voilà Jake Evans. Le tir et le but! Ben depuis le début du match, ce trio en fait voir de toutes les couleurs aux Ducks dans leur territoire. C'est 5 à 3. J'ai qu'on défie directement la cage adverse. Sherratt qui va d'un jeu très simple, on rejette en zone offensive, mais lorsqu'on applique de l'échec avant. Je vous parlais de la cadence avec laquelle ce trio est en mesure d'évoluer. Petlick a de la vitesse, Anderson aussi, et Evans patine bien, même si c'est pas un match parfait pour lui. À la mise en jeu devant Jake Evans, en pourcentage ce soir, c'est 54-46 en faveur du Canadien. Les Sabres... C'est la pire équipe dans la Ligue nationale au chapitre des mises en jeu. Filet ouvert, tir et le but! Jake Evans! Et voilà qui vient compléter. Les taux dans le match. Petlick gagne son duel à 1 contre 1 le long de la rampe contre Fitzgerald. Et vous avez vu encore... On tourne au filet. Appliquez le frein, tente la passe. Mettez la passe et devant. Et finalement, les Canadiens qui récupèrent. Evans, le tir!
C'est un changement de la part des joueurs du Canadien. Regardez Evans, lui, qui s'amène du haut de la zone adverse et qui va recevoir cette passe de Lekkonen. Et ce qu'il a bien fait, c'est freiner. En freinant, ça, c'est le changement que je vous parlais. Ce qu'il fait bien, il freine. Alors, il se donne de l'espace avec le défenseur Mété qui est devant lui. Et ça lui donne une fraction de seconde pour décocher. Alors, il dit se rabattre sur Ferrari. C'est peut-être une bien meilleure idée. Dominique, merci, nos meilleurs voeux. On t'aime beaucoup. Merci, Dom. Merci. Hoffman reprend le disque et remet ensuite à la ligne bleue. Marc, il a tourné autour ce soir. Jake Evans fait des biais. C'est 2-2. Le Canadien n'avait pas de tir pendant plus de 5 minutes pour amorcer la deuxième période. On y remédie et de belle façon. Et regardez ce que Knight va faire. C'est la nature humaine. Il réagit avec l'objet qui est devant lui. En étirant le bras droit pour tenter de repousser la menace de Romanov, Evans lui fait dévier à contre-courant. Il bat Spencer Knight et crée l'égalité. Ça semble être à sens unique, mais les Panthers... Kinnaman se retrouve dans le coin et rejoint par deux joueurs des Devils. Et c'est Jake Evans qui a eu le réflexe, là, le bon réflexe de venir couvrir la ligne bleue. Et d'ailleurs, il reçoit la rondelle. Et voilà son tir, mon ami! Ben, tu parles d'une suite d'événements. Ça aurait été payant, Marc, de venir combler l'écart en défense. C'est 2-0. Ils ont perdu leurs 4 rencontres depuis le passage du Canadien la semaine dernière. Et c'est lui-même, Schuneman, qui va refiler le disque à Evans avec Anderson, qui crée de l'obstruction et agit comme écran, avec Piqué Subban qui est devant et qui ne couvre personne non plus. Est-ce que la rondelle dévie? Elle va monter, cette rondelle. Oui, c'est peut-être le but. Le but appartient peut-être à Josh Anderson. À suivre pour les prochains, mais autant mentalement que physiquement pour Carey Price. C'était cette belle idée, vraiment son état de santé. Sorti territoire des Canadiens. Christian Dvorak avec la rondelle, il passe à Evans, il lance. Regardez le travail de Montembeau. Le long de la rampe, une sortie de territoire qui est rapide. La relance l'est tout autant. La petite passe de Dvorak qui prend le centre de la patinoire, qui attire le défenseur. Ça donne une fraction de seconde de plus à Jake Evans, juste là pour décocher tout un tir frappé, partie supérieure, côté opposé. Un bon lancé de la part de Jake Evans, partie supérieure. Harvey Pinard saute sur la rondelle, remet à Rem Pitlick, derrière, à Evans, le tir, et le retour est donné devant le filet. Voilà Petrie maintenant, le tir de Petrie, le but! C'est l'égalité, 2-2! Alors Evans aurait fait dévier, semble-t-il. Et on vous parlait de Petrie, le joueur baromètre. Voilà une première occasion, la rondelle qui frappe Harvey Pinard, mais en récupération de rondelle, Pitlick a fait un beau jeu. Non seulement pour récupérer le disque, mais pour créer suffisamment d'obstruction pour donner l'espace à Petrie. Il décoche un tir pas le plus violent vers le filet. Se démarquer des deux défenseurs. Il n'a pas réussi à créer cette séparation pour être capable de faire la fin désirée, mais du revers, il est frustré par Johansson. Et voilà Rem Pitlick. Il remet vers Brendan Gallagher. Gallagher qui bataille avec Haig. Oh, une occasion devant le tir! Autour de Jake Evans! Ben, c'est la première fois que ça ne fonctionne pas. Et à la deuxième occasion, il fait mouche. Le travail du Canadien pour remporter des duels à un contre un ce soir. Je comprends que la motivation n'était pas au niveau suprême chez les Panthers, mais on gagne chacun des duels et des courses. Pitlick, Rem, celui-là, qui refile le disque à Evans.